Je suis en pied, genre pas ça, là. Avec les jogging A1, son full confort. Et je passerai ma vie là-dedans. Ce matin, là, ça c'est pas du désordre, là. Pour faire sécher les biberons pis les gobelets à Sophia. J'ai pris ça sur Amazon, mais il y en a chez Walmart pis chez Toys R Us, je pense. Ça le fait vraiment, là. Quand vous avez fini de les laver, mais moi je les passe sur la vaisselle parce qu'il y en a beaucoup, fait que on a une bonne rotation, j'ai pas besoin de tout le temps les laver. Mais il reste tout le temps des petites gouttelettes d'eau. Fait que tu les mets là-dessus, puis ça finit que ton biberon il est bien propre. Fait que ce matin, j'étais allée porter Sophia à la garderie. Sophia a un trip depuis 2 semaines environ. Elle dormait toujours de 7h le soir à 7h le matin ou 7h30 à 7h. En tout cas, elle se levait tout le temps à 7h. Puis là, depuis 2 semaines, bon, la couche vers ça, 7h30. Puis elle se lève toujours vers 5h30. Max part travailler à 5h20, puis à 5h30, j'entends Sophia dans son lit, puis je suis là. Fait que là, j'essaie de la laisser jaser toute seule dans son lit. Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Fait que des fois elle se rendort, puis d'autres fois, ben, elle veut rien savoir, puis c'est. On se lève. Fait que, je sais pas, on va peut-être essayer d'y installer une autre routine, là. C'est peut-être parce qu'il fait plus clair, plus tôt, je sais pas, là. On va sûrement commencer à la coucher peut-être plus vers 8h pour voir si elle clenche un petit peu plus. 6h, 6h30, ça me dérange pas, mais 5h30, c'est tôt, me semble. Quoique, bon, en tout cas, j'aimerais mieux 6h, 6h30 que 5h. Fait qu'on va essayer ça. Je vous en redonnerai des nouvelles. On commence ça à soir. Là, j'ai texté Max ce matin à 5h30. J'étais là, 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 à soir, on la couche à 8h. Fait que ce matin, je me fais mon milkshake du matin parce que je tripe ces milkshakes puis j'en fais à chaque jour. Presque. Quand je déjeune. Bon. Je suis bien dans la lune. Je me fais toujours congeler des bananes. Mais d'habitude, je les enlève de la pelure puis je les mets dans un sac. Mais là, j'ai les mis direct dans le congélateur. Fait que là, ça va être la merde d'enlever la pelure de ça. Et bien, je l'ai. Non. Hey, ça gèle les doigts, ça, là, hein? Cochonnerie, on ne peut pas en dire. Bon, ben, ça va être un milkshake pas trop frais parce que ça va être une banane chaude. J'ai plus de glaçons en plus. Du lavage. Faut que j'aille désherber dans le cours aussi. Après ça, je vais aller chercher Sophia. Là. En ce moment, j'ai pas encore recommencé à travailler. Fait que Sophia a ses garderies pour encore. Ah, ben c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine de garderie à Sophia. Puis vu que je travaille pas, ben tu sais, je me presse pas à l'envoyer à la garderie le matin. Là. Je vais tout le temps la porter vers 8h30. Je la laisse pour la journée, puis je vais la chercher tout de suite quand elle se réveille de sa sieste à 3h. Mais
Ben c'est ça, je l'envoie parce que de toute manière, il faudrait que je le paye si je l'envoie pas. Puis c'est ça dans la semaine avec les amis, fait que elle aime vraiment ça, jouer avec les amis de la garderie, fait que je l'envoie. Puis là, c'est ça tout le reste du mois de juillet, le mois d'août, puis début septembre, elle va être avec moi parce que c'est ça, sa nouvelle garderie la prend à partir du 19 septembre. Puis on est full content. Ça au IKEA. Elle a pris format Lee King parce qu'on risque probablement d'avoir un king vu qu'on a quand même l'espace. Là, c'est un queen. Puis l'étagère, ben c'est deux étagères qu'on a mis à la même hauteur, collées. Au IKEA aussi. Puis là, moi, j'ai ajouté les petites décos. Puis là, dans chaque petit cadre, il n'y a pas encore les images que je vais mettre dedans. Là, je suis en train de les choisir, puis après ça, je vais les faire pour les mettre dans les cadres. Puis j'ai une petite étagère là. Puis mon beau miroir que j'ai shooté blanc parce qu'il était comme plus. Il était brun doré. Là. Mais j'aimais vraiment le look, fait que je l'ai shooté blanc. La télé. Il est presque 3 heures. Et je m'en vais bientôt chercher Sophia à la garderie. J'attends juste qu'elle se réveille de sa sieste. Puis habituellement, la gardienne, elle donne comme leur collation vers 3h30, 3h45. Mais moi, je trouvais pas simple d'aller chercher Sophia, fait que ça finit que c'est moi qui lui donne sa collation ici. J'ai fait mon ménage, j'ai juste pas désherbé. Puis là, je suis en train de regarder. Il va vraiment falloir que je fasse ça. Demain. Ma piscine est presque finie de remplir. Il manquait vraiment de l'eau là. On voyait le jet qui rushait là. Ça faisait pas mal de bruit. Fait que j'ai comme peu le choix de la remplir là. Puis sinon, on va aller voir mon petit jardin. Il rush un peu, je pense. Fait que ça aussi, ça rush pas mal. Mais là, vu qu'il y avait les interdictions d'arroser, ça a pris le bord pendant la canicule. Là. Mais nos tomates, ils avancent. Là. C'est une de mes amies qui avait starté ses plants de tomates, puis de. Elle nous a donné concombre, pas mange tout. Fait qu'elle a starté ça, puis elle nous les a donné. Puis j'avais starté du persil, je sais pas si on le voit. Du persil, fenouil. J'ai de la ciboulette. Mes petits pots mangent tout qui sont en train de crever de faim. Puis ma salade que là est vraiment dead. J'ai une aubergine qui allait pousser, puis les fleurs, ben, sont dead. Dommage. Fait qu'il va falloir arroser ça. Puis ce petit bac de bois là, Max l'a acheté sur Marketplace. C'est un monsieur quand même âgé qui faisait ça dans son garage. Puis il était full fin, le monsieur. Max a failli en acheter un autre, mais finalement, un, ça faisait l'affaire. Si on avait planté plus de trucs, on aurait probablement pris un deuxième. Fait que c'est ça. Puis il était, je pense, 80$. C'est sûr que ça se fait bien homemade, mais il était déjà fait. Fait que c'est ça qu'on a pris. Fait
bibliothèque avant d'aller chercher Sophia, faut que je vous parle de deux trucs. Premièrement, le port du masque va être obligatoire à partir du 18 juillet, si je me trompe pas. Et je vais me commander sûrement des masques réutilisables sur masque bleu. Mais en attendant, vu que je suis allée dans les magasins qu'il y en avait, je me suis acheté comme deux masques pour. Vu que c'est déjà en fin de semaine, dès que je vais vous montrer mes achats. Le premier. Je l'ai acheté au Mudchuck à Lévis. Mais il était dans un sac. Je trouvais que le tissu était full beau. Et comme ça. Fait que là, il était 8$, si je me trompe pas. Puis là, je l'ouvre dans mon auto. Puis il est de même. Mais c'est parce que, tu sais, ça veut dire qu'il va pas de même. Là, là je catch que c'est comme les lacets qui vont en arrière de la tête. Mais on dirait que c'est un cache-cou. Genre ça fait toute ma face là. Une chose que le tissu est confortable parce que c'est pas beau tout de suite là. Je vais le mettre là pour vous montrer. Genre il est vraiment gros là, je trouve là. Je vais l'enlever là, pour que vous m'entendiez, mais je pourrais aller faire du ski avec ça. Je serais bien au chaud. Fait que je le trouve un peu gros, mais je me mettrais pas dans la canicule, mettons. Puis l'autre que j'ai pris, celle-là. Lui, je l'ai pris au Ardennes à Saint-Roch. 5$. T'sais, lui, je le trouve vraiment moins pire, là, le tissu, il arrête ici. En tout cas, ça va faire des belles oreilles. Fait que lui, je le trouve vraiment... Je l'aime mieux, là. Je sais pas, je me sens bien trop coincée dans l'autre. Mais les tissus sont bons. Puis, deuxième chose que je vais vous parler. Depuis que j'ai accouché, là, j'ai souvent comme des maux de tête, migraines. Je suis comme plus fatiguée, mais là, tu sais, je me disais, j'ai un bébé naissant, elle fait... T'sais, ça prend plus d'énergie pis tout, mais t'sais, Sophia a fait ses nuits depuis vraiment longtemps, fait que j'ai des bonnes nuits de sommeil. Je me rendais compte que c'était pas nécessairement comme mon adaptation à mon nouveau mode de vie, c'était vraiment que je fais vraiment des, comme des migraines répétitives. Là, je checkais, je pense pas que c'est arrivé. Comme des migraines répétitives, puis je me dis tout à tête que je manque de fer, parce que quand tu manques de fer, ça peut donner des maux de tête, mais en même temps, je mange beaucoup de légumes verts, je mange beaucoup de trucs qui ont du fer. Fait que là, mon père me dit prends des vitamines. Puis c'est vrai parce que depuis que je suis jeune, il me donnait tout le temps des vitamines, tu sais, les petites vitamines pierre à feu, les gummies. Je sais pas si c'est même si ça gummies. J'ai tout le temps pris des vitamines au déjeuner. Mon père nous donnait tout le temps des petites vitamines. Fait que là, j'étais allée m'acheter des vitamines. Puis j'ai pris les multi pour femmes. Ça fait environ 2 semaines que je les ai commencées. Puis. Je vois vraiment une différence. Pour vrai, habituellement, quand tu utilises un produit. Ah, là, moi, c'est arrivé. Bon, fallait que j'y aille parce que j'avais pas ramené les poubelles, fait qu'il pouvait pas rentrer sur l'auto. Dans le stationnement. Mais ouais, j'ai vraiment vu une différence. Puis, tu sais, ça disait que ça l'aidait pour défense immunitaire, puis que c'était naturellement énergisant. Fait que c'est pas mal ça que j'avais besoin. Parce que je suis en train de vlogger. T'as reculé dans quoi? J'ai reculé dans quoi? Avec tout ça. De quoi j'ai reculé dans quoi? De retour!
Parce que Max a vu que j'avais un scratch en arrière de mon char, puis il pensait que j'avais rentré dans quelque chose, quelqu'un m'était rentré dedans, mais ça fait un peu que c'est là. Ok. Fait que pour finir avec mes vitamines, c'est juste pour dire que moi ça me donne vraiment un boost de plus. Je les prends chaque matin, puis je vais continuer pour un petit bout, voir vraiment la différence que ça va faire. Tu sais, il y a vraiment toutes les vitamines qu'on a besoin, là. Vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, et vitamine K1. Il y a de la biotine, c'est bon pour les ongles, les cheveux, pour les renforcer. Il y a de l'acide folique. L'acide folique, ça, c'est bon dans la vie de tous les jours, mais surtout quand tu es enceinte, ils suggèrent de prendre des comprimés d'acide folique pour aider au développement du bébé. Fait que, à date, j'aime bien. Je vois vraiment une différence sur mon système, puis j'imagine que cet hiver, ça va être encore mieux parce que l'hiver, on est comme plus amorphe. Tu sais, on n'a pas les vitamines que le soleil nous apporte l'été, puis. Je sens que ça va faire une différence cet hiver aussi. Ouais, fait que c'est les Jameson multivitamines pour femmes. Je me parque parce qu'on arrive d'aller chercher. Ben, j'arrive d'aller chercher Sophia à la garderie. Puis je vois que mon homme, il désherbe! J'aurai pas besoin de désherber demain! J'aurai pas besoin de le faire demain. Il y en avait beaucoup, hein? Hey, ça pique, ça! Mais oui, mais mets-toi des mitaines! T'as-tu fait le tour de la piscine? Non. J'ai juste fait ça aussi. Qu'est-ce que tu fais, papa? Il vient même pas te dire bonjour! C'est quoi? Tu dis pas bonjour à ta fille? Bonjour. Bonjour. Elle a pas voulu faire ça ce matin. Pourtant, c'est levé tôt. Mais elle a dormi de midi et demi à 3h. Elle essaie de manger avec sa cuillère, mais elle est pas capable encore. Oh, y a rien dans ta cuillère, mon loup! Ouais, on prend les mains. Fait que Max, pour souper, il nous fait des hamburgers. Il est rendu à 700. Il chauffe en masse? Est-ce que tu fais une fin au vlog? C'est même pas au chaud. Non. C'est pas la fin, j'ai même pas fini mon souper. C'est que on va souper. On vous laisse. Dis bye bye. Oups, j'étais sur le gros zoom. Dans ma face. Un peu, oui.